3, 2, 1, go. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, je vais direct devant vous tester une application que j'ai effectuée sur mon ordi. Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça s'appelle Ghostbust. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas du tout d'où ça sort. Alors est-ce que ça a rapport avec les fameuses Ghostbusts qui ont un rapport avec une sorte de petits appareils ressemblant à des radios qui permettent de capter des voix venues de l'au-delà? Bah bon, en tout cas, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais voir si j'arrive à bien capter. Voilà. Voilà. Oui, je l'ai téléchargé sur ordi. Alors. Allô, cher esprit, est-ce que vous m'entendez? Allô? Ok, il y a eu un petit bruit, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va... Esprit, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez me faire un petit signe ou quelque chose comme ça? Ok, toujours le même bruit. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vais voir si j'arrive à le capter. Ah, encore le même bruit. Décidément. Bon, perso, je ne sais pas du tout qui sont ces gens. Avant que c'était des esprits farceurs, je ne sais pas. Bon, allez, sérieux. Esprit, si vous... Enfin, chers esprits, si vous m'entendez, faites-moi un signe. Ah, mais attendez, parce que là, c'est un petit peu... Ok, il y a eu un espèce de bruit de proche, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Bon, ok, je confirme. Je pense qu'on a affaire à une entité qui aime bien troller. C'est bien, ça prouve que même les esprits ont le sens de l'humour. Bon, attendez, je vais voir si je peux communiquer. Bonjour, qui êtes-vous? Ouais. Vous avez dit quoi? J'ai pas très bien entendu. Vous avez dit oublier leurs rêves ou leurs règles? Attendez, je vais voir si j'arrive à mieux capter. Parce que là, c'est un petit peu flou. Ah, très bien. D'accord. Pas mal la métaphore, mais là au moins on comprend. Oh les gens, donc excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai essayé de mieux capter, mais bon, même ça, ça m'aide pas beaucoup. Attendez, je vais voir si je peux recapter. Allô, chers esprits, si vous m'entendez, alors, vous disiez que et qu'il n'y a plus de rêve, est-ce que vous confirmez? Allô? Ce qui reste... ouais, d'accord, en gros, il n'y a plus de rêve, il n'y a que du vide, et sinon après? Le désespoir... Ouais, en gros, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de limite, et en gros, on va vivre dans un monde sans espoir, c'est ça ce que vous voulez dire? Allô? Tous les gens ont perdu l'espoir, face à la souveraine. Alors,
D'après ce qu'il m'a dit, enfin d'après ce que cet esprit m'a dit, en gros, il n'y a plus d'espoir, enfin il n'y aura plus d'espoir. Enfin, vous... Alors moi, c'est peut-être une sorte de prédilection ou quelque chose comme ça. Sans, à mon avis, il n'y aura plus d'espoir, il n'y a plus de limite. Bref, je pense que qu'on a affaire à quelqu'un qui voit l'avenir et que notre avenir, nous humains, est condamné au désespoir, quoi. Est-ce que vous confirmez? Et celui qui obtient la solution détient le pouvoir. D'accord. Et après? Je revendique. Oula. Il est une influence politique. Il est une influence politique. Il est une influence politique. Il sera pas à droite. Voilà. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression de reconnaître la voix d'Emmanuel Macron, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, je crains pire. Alors, esprit, si vous m'entendez, est-ce que vous confirmez qu'il y a sur Terre, il n'y aura plus d'espoir? Tu ne peux pas savoir ce que c'est de tomber dans une vie, de disparaître la nuit, voir tout ce que tu refais, tu vis, de soupir au moins, Ah, d'accord. Ouais, en gros, on va tomber dans l'oubli, très bien. Ok, c'est génial. Bon, je rigole, mais bon, je me demande s'il doit prendre ça comme soit pour une blague, soit au sérieux, je sais pas. Bon, esprit... non, je ne suis pas votre père, hein, et je ne suis pas non plus un mercenaire, donc... Bon, alors, chers esprits, si vous m'entendez, avant de nous quitter, est-ce que vous voulez nous dire un dernier petit mot? Ah, très bien. Bon, ben je pense qu'on n'en saura pas plus. Bon, mesdames et messieurs, je pense que je préfère qu'on s'arrête ici. C'était donc notre vidéo spéciale Ghost Box. Bon, bon, je ne sais pas exactement ce que ces entités ont essayé de nous dire, mais bon, j'ai l'impression qu'ils voient l'avenir bien bien sombre. Enfin, espérons que soit ils ont tort, soit ils ont raison. Bref, on verra. Donc, si cette vidéo vous a plu, si bien comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Oh, et puis...